السلام عليكم الزور في اللون بونسوار لا فيولونت شارج دو عمار سعداني لو سكرتير جينيرال دو اف ال ان كونتر لويزا حنون لا سكرتير جينيرال دو بارتي دي ترافايور ايتي سوم توت بريفيزيبل ديز انديس ايتيت ابارو دوبوي كيلكو تان كي مونتري كو لا ناتور ميم دو ريجيم سو ريكومبوزي que des centres nerveux du pouvoir avaient été annihilés, ou du moins excentrés, pour le moins que nous puissions dire, puisque le cœur même du régime et toute la machinerie qui le faisait fonctionner, le redoutable et tout-puissant DRS, avait été quasiment démembré, démantelé, direction après direction, mission, prérogative après prérogative, moyen après moyen et général après général, jusqu'à faire partir, dans des conditions encore obscures, son puissant patron, celui qui le dirigeait depuis plus de 25 ans et qui avait réussi à devenir l'homme le plus puissant, le plus déterminant du pays. C'était lui, général Toufik, tout particulièrement, qui décidait qui devait être le chef de l'État, qui devait être ministre, ambassadeur et qui ne devait pas l'être. Rien d'important, rien, ne se décidait sans le DRS, aux quatre coins du pays, jusqu'à la plus petite commune. Et rien dans le DRS ne fonctionnait d'une autre manière que selon les orientations et les desiderata de celui qui s'était fait donner le surnom de Rabb Zahir. Cette affaire-là. Et il s'est passé ce qu'il s'est passé dans un embrouillamini à peine imaginable. Le président réélu, pour un quatrième mandat, malgré son incapacité flagrante, ne s'exprime plus que par le biais de Ammar Sadani, de Abdelmalek Sellal, ou à coup de lettres et de communiqués. Une sorte de nuit des longs couteaux, plus soft que l'original quand même, a abouti au limogeage de centaines d'officiers du DRS et des autres corps de l'armée. Des messages très clairs ont été envoyés un peu à tous les relais qui comptent, y compris aux médias, aux partis politiques et aux associations en tout genre, de se mettre au pas, de ne pas se mettre en travers de ce qui se prépare pour achever la vaste reconfiguration du système et de mettre sur rail, la nouvelle locomotive qui va bientôt sortir des ateliers où elle était en fabrication depuis ces dernières années. Le message était clair. Rien ni personne ne devait gêner les prochaines manœuvres, dont la première opération sera celle de la publication du projet de nouvelle constitution. Or, des résistances imprévues se sont soudainement manifestées, de façon indirecte. Elles ont commencé par la dénonciation de ce qui a été annoncé comme un bradage du pays à une nouvelle oligarchie politico-financière et à des intérêts étrangers. Puis, avec la demande des 19 d'être reçus par le président, ce fut, depuis le cœur même du système, une sorte d'aveu, ou du moins la dénonciation d'une prise d'otage, en l'occurrence celle du chef de l'État, par un groupe occulte qui déciderait de tout à l'insu du même président. Et, action tout à fait inusitée jusque-là, la très remarquée protesta au sein du Parlement, au sein du régime. Une protesta organisée par une poignée de députés, dont ceux du Parti des Travailleurs, contre le projet de loi des finances 2016, désigné comme étant un cheval de Troie pour un renoncement brutal et définitif à la souveraineté sur des ressources du pays, sur ses entreprises publiques et tout particulièrement sur Sonatrach, qui gère la seule et unique véritable ressource actuelle du pays. Tout aussitôt, le secrétaire général du FLN a tiré à boulet rouge sur la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, en des termes d'une rare virulence. Pourtant, contre elle, des accusations gravissimes qu'aucune autre personnalité du système n'avait osé jusque-là. Il se trouve
que la même Louisa Hennoun est au cœur des deux initiatives, celle des 19 et celle de la Protesta au sein du Parlement. Et en l'occurrence, cette attaque contre elle laisse deviner que tout n'est pas joué, que d'autres forces transies jusque-là pourraient s'ébranler, que des mouvements sociaux pourraient partir. Aujourd'hui. Et le Huffington Post. Violente charge de Saad Hani contre Louisa Hennoun, accusée d'être un agent du général Toufiq. Par Heba Selim. TSA. Ammar Saad Hani accuse Louisa Hennoun de servir Toufiq, défend Shakib Khalil. Par Hajar Gnenfa. TSA également. Le PT répond à Saad Hani, qualifié de misogyne et de politicien affairiste. Par Hajar Gnenfa. Nous allons écouter quelques extraits de ces attaques de Saad Hani contre Hennoun. Il dit Louise, arrabha ou le darrelha le hizb, arrabha ou le darrelha la swat, je te trouve le mejlis ou te kille, ou ma andash, ou n't haddaha il a été défi ou il aya, arrabha ou ataha le makar, ta déres ou raifi, وعربها وقول بعثها قال لها شوفي الرئيس كاش ما يستقبلني وجايبه معاه جماعه وتقول لهم احنا رايحين نشوفوا الرئيس على موضوع اخر فنضع النقاط على الحروف العراب راح والدوله باقيه الدوله باقيه واليوم ما بقاش هذاك التزلف والكذب على الناس قلت لها قولي بسم الله الرحمن الرحيم انا نستقيل اذا المشروع يتناقض مع الشعب هذا وكل ما عنده من خصوصيات وتغطي فيها وخلاص تتكلم كان عندك تتكلم عن نيتو باش تنحي انت وجلودي ولا شنو تغلط في الناس تروح للنيتو تروح للحجار تروح للتمار للشاكيب واش درتي الشاكيب كسرتي فما ثلاث وهبطتي 50% من مدخولاتها وجوعت الجزائريين وتروح تسقيها قاعد مش مطبقه لا في الصين الشيوعيه ولا في روسيا الاشتراكيه وبركه ما تغلطي الناس لويزا Avec nous aujourd'hui, Amira Bouraoui, médecin et membre fondateur de Barakat, Samid Ziri, documentaliste, Faisal Mottawi, journaliste. Et je vous rappelle que durant la deuxième partie de cette émission, nous ouvrirons le standard à vous, nos téléspectateurs, pour pouvoir vous exprimer sur la question. Amira Bouraoui, donc nous allons commencer par... merci Amira d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux auditeurs, bonsoir Faisal, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors dites-nous Amira Bouraoui, comme ça, à chaud, votre réaction. Je suis triste, je suis vraiment triste de voir le niveau... auquel la politique algérienne est descendue. Je viens d'entendre Saad Hani, j'avais déjà entendu quelques extraits, mais là c'est un cirque qui ne fait plus rire du tout, car l'Algérie va affronter une période très difficile, que c'est le peuple qu'on a envie de faire payer. On va vers des instabilités graves et ces gens-là, de par leur ignorance, de par leur amateurisme, vont nous emmener droit dans le mur. Voilà ma réaction à chaud. Sa dernière attaque, Hennoun, par exemple, sur le plan des élections, il lui dit
c'est le DRS qui vous a fait gagner vos sièges, parce que sinon, jamais je vous défie de gagner un seul siège dans n'importe quel wilaya sans le DRS. Mais en fait, c'est, on ne sait pas si c'est vrai, mais d'une façon générale, c'est le cas, je crois, de tous les députés, de tous les gens élus, puisque nous connaissons la nature des élections en Algérie, comment elles se pratiquent. Le PT n'est pas le seul concerné, il ne devrait pas être le seul concerné dans cette attaque. Alors, personnellement, je ne sais pas si le général Toufir, si Louisa Hennoun a été envoyé par le général, tout ce qui se passe derrière le rideau. Moi, je ne le vois pas et je ne sais pas. Moi, je suis une citoyenne algérienne qui vit une situation grave. Je vis en Algérie. J'ai peur pour mon peuple et pour mon pays. Maintenant, qu'il y ait des clans, qu'il y ait un clan de DRS déchu et un clan d'affairistes au pouvoir. Il se trouve que si ces clans-là ont existé, qu'ils se sont nourris les uns les autres, et peu importe, il se trouve qu'ils nous ont emmenés vers une impasse qu'on vit aujourd'hui et qui va entraîner la nation algérienne vers quelque chose de très très grave. À côté de ça, la décennie et 88 ne seront rien. Et aujourd'hui, c'est au peuple algérien et à tous les citoyens de prendre conscience que nous avons des incultes et des corrompus au pouvoir et que ces gens-là n'ont pas conscience vers quoi ils entraînent la nation algérienne et donc le peuple algérien. Je reste pour le moment sur les termes de ces attaques. J'aimerais comprendre un peu. Par exemple, quand il accuse Louisa Hennoun d'avoir cassé son attraque, ce qu'il dit, d'avoir baissé 50% de ses capacités, c'est Louisa Hennoun qui aurait baissé 50% de ses capacités, et d'avoir affamé les Algériens. Est-ce qu'il n'exagère pas un peu, quand même? Non, mais c'est absolument du n'importe quoi. Ce n'est pas pour défendre Louisa Hennoun, qui a quand même soutenu un quatrième mandat et aujourd'hui s'oppose à ses conséquences. Donc je ne peux pas me mettre comme étant avocate de Louisa Hennoun. Oui. Ceci dit, ce n'est pas Louisa Hennoun qui a cassé son attraque. À un moment, elle a eu quand même à s'opposer au bradage de son attraque. Et ça, l'histoire le retiendra. Il se trouve que pendant 15 ans, où le pétrole était encore à 120 dollars, où ils étaient en train de gaspiller des milliards de dollars, sans se soucier du lendemain comme des cigales. Il se trouve qu'ils n'ont pas pensé au jour d'aujourd'hui, où nous devons maintenant faire face à l'alternative, mais qui va être appliquée de manière sauvage sur un peuple qui doit payer toute cette incompétence et cette corruption qui ont duré pendant 15 ans. Aujourd'hui, ils veulent faire des économies dans les poches des citoyens algériens qui ont des salaires minables, M. Jamaldine. La majorité des Algériens ont un salaire moyen de 30 000 dinars. Les retraites algériennes sont très très basses aussi. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là ? Il cherche à ce que le peuple algérien sorte dans la rue pour lui tirer dessus, pour revoir leur carte. En fait, c'est ça qu'il cherche. Parce que personne ne va supporter cette manière sauvage dont ils vont faire vivre un peuple qui doit payer leur incompétence en disant que jusqu'ici, on n'a que beaucoup trop dansé et que aujourd'hui, il va falloir être sérieux. Mais il fallait qu'ils le soient eux. Parce que le peuple n'a fait que subir leur politique d'incompétence. Restez avec nous. Je reviens à vous dans un instant. Sami Dziri, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jamaldine. Je vous salue. Salue vos invités ainsi que l'ensemble des téléspectateurs. Merci. Alors, Sami Dziri, selon vous, qu'est-ce qui a motivé une telle attaque aussi violente, aussi virulente contre Louisa Hennoun?
Bah écoutez, c'est réciproque, hein, Louisa Hanoun et Saïd Hani. Hein, il faut pas se leurrer. Les deux sont issus du même moule, quelles que soient les divergences qui peuvent s'exprimer ici et là. Mais ils sont issus du même moule. N'oubliez pas que dans les années 90, Saïd Hani, en tant que pompiste chez Naftal, est devenu par la suite milicien. Et Louisa Hanoun, elle a joué la carte de la carte participative à tous les scénarios qui sont pas vraiment qui reflètent pas vraiment la réalité, puisqu'elle a participé aux élections, elle a même participé, n'oubliez pas, au Saint-Égidio. Donc quel était son rôle? Ben justement, lui, Saïd Hani, la dénonce comme ayant été instrumentée par le DRS pour aller espionner la rencontre de Saint-Égidio. Je rappelle que nous avons lancé une invitation à Saïd Hani et à Hanoun et que nous continuons jusqu'à ce moment de les appeler pour essayer de les faire participer à cette émission. Mais non, sinon, donc, au sujet de Saint-Égidio, Saïd Hani l'attaque comme étant, en quelque sorte, l'espion de Tawfiq. Ben écoutez, je ne sais pas, moi j'ai assisté, la communication s'est coupée, mais il y avait justement la conférence de presse que vous avez montrée au début de l'émission. Il y avait aussi une interview de Louisa Hanoun dans la chaîne El Bilad, où elle a défendu bec et ongle Tawfiq. Elle a défendu bec et ongle Tawfiq et s'est attaquée aussi à Saïd Hani frontalement pour dire qu'il était membre de la commission de bradage de pétrole en 2005. Et donc, il faut pas se leurrer, les deux sont deux facettes de la même monnaie. Moi, personnellement, Jamel Din, c'est un spectacle de désolation. Il n'y a pas que ça. Il y a le spectacle que vous avez vu, les parlementaires, comment ils se bagarraient. Non pas sur une base idéologique, mais pour la rapine. Et donc, la joute verbale ainsi que le discours de confrontation qui est extra-politique, jette non seulement un discrédit sur les protagonistes concernés, qui sont Saïd Hani et Louisa Hanoun, mais offre un climat très délétère sur l'ensemble de ce chapitre politique. Restez avec nous, Sami Djeri. Faisal Mattaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Jamel, bonsoir. Vous et aux téléspectateurs. Merci, Faisal. Alors, Faisal, cette grosse polémique entre Saïd Hani et Hanoun. Oui, bah, écoutez, la polémique aurait peut-être eu de l'épaisseur si on débattait d'idées, on débattait de propositions politiques, on débattait de projets politiques, on débattait de projets d'avenir, de projets de société. Or, Ahmad Saïd Hani, qui est secrétaire général du FLN et qui est arrivé à ce poste dans des conditions toujours contestables, cela n'a pas été démenti jusqu'à aujourd'hui, est en train de porter le débat sur un terrain vraiment d'une bassesse incroyable. Il voudrait engager un bras de fer avec Louisa Hanoun et il utilise même un langage ordurier, parce que il s'attaque à la personne de Madame Louisa Hanoun, on peut ne pas être d'accord avec elle, avec ses positions, mais c'est une femme politique qui doit être respectée, quelles que soient les circonstances. Lui, il la compare à une poule, il dit qu'elle ne sait pas prononcer Bismillah, elle dit que si elle arrive au pouvoir, elle va fermer les mosquées. C'est des discours, pour moi, extrémistes, pour ne pas dire à la limite de l'appel au meurtre. Et je pense que Ahmad Saïd Hani porte une responsabilité dans ce qu'il dit, et cela veut dire que ce parti du FLN, comme d'ailleurs l'ont dit certains députés, après le vote de la loi sur la loi de finances 2016, est vraiment entre de mauvaises mains. Ce n'est pas l'idéal révolutionnaire du FLN, ce n'est pas le parti FLN symbole de la guerre de libération 1954-1962, ce n'est pas ce parti qui a porté le combat libérateur, c'est vraiment un autre parti, et c'est... Je crois que le moment est venu de relancer le débat sur la nécessité de mettre ce parti dans le musée pour protéger le symbole et pour abandonner le projet d'un parti qui a, pour moi, cessé d'exister. Mais Faisal, qu'est-ce que cette attaque cache en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi cette violence dans les propos de Saïd Hani? Pourquoi s'attaque-t-il à Louisa Hanoun de cette façon? Est-ce pour dissuader d'autres...
résistants, enfin résistants, d'autres opposants éventuels à se manifester, à entrer dans la danse après l'initiative des 19 et ce qui s'est passé au Parlement? Oui, ben, les attaques de Saadani, qui avait visiblement est manipulé lui-même, il parle au nom d'un groupe, et c'est le groupe qui est en train de vouloir imposer sa volonté à l'Algérie à travers la loi de finances et à travers une loi tout aussi scandaleuse qui sera la loi de l'investissement. Et entre parenthèses, le gouvernement, ce que j'ai appris, va abandonner la règle de 49-51 d'une manière indirecte dans ce texte qui va être débattu à la peine. Il faudrait que tout le monde s'intéresse à ce texte parce que maintenant, les enjeux sont économiques, sont commerciaux, bien sûr au service de certains groupes d'intérêt. Je crois que Mme Louisa Hanouni est attaquée parce qu'elle est dans le groupe des 19 qui a demandé au président Bouteflika une audience et le président Bouteflika n'a toujours pas répondu à ce jour, ni par lettre, ni par tout autre moyen officiel, parce que la lettre est adressée à un chef d'État et il doit se comporter en chef d'État, c'est-à-dire où il refuse ou il accepte. Or, il n'a pas répondu, ça veut dire qu'il y a un problème, et un problème, j'allais dire, grave. Et c'est pour ça que Ahmad Saadani, je pense qu'il est en droit de s'attaquer à Louisa Hanouni comme c'était dans le passé, quand on s'attaquait aux opposants, on les accusait de tout, parce qu'il osait dire des choses qui n'était pas admis, ça d'une part. Et d'autre part, je pense que Ahmad Saadani parle donc on en a un groupe qui n'a plus rien à proposer à l'Algérie, mis à part ses projets économiques et ses projets de loi, où on est en train de revenir sur beaucoup de choses, notamment sur la souveraineté nationale, sur les acquis sociaux et sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas attaqué à leur projet. Et il pense, Ahmad Saadani, qui était pendant longtemps, qui avait dit d'ailleurs il y a quelque temps qu'il avait informé le général major Mohamed Medjian, général Toufir, sur ses appartements à Paris, rappelez-vous. Et là, il s'attaque à Louisa Hanouni, pensant que Madame Louisa Hanouni serait manipulée par le général Toufir, qui, comme vous le savez, n'est plus directeur de renseignement de sécurité. Je pense qu'on est dans une phase, j'allais dire, avancée de lutte de clans. On est effectivement dans un scénario terrible, c'est un scénario presque catastrophique, parce qu'on ne débat plus de politique, on ne débat plus de projet politique, mais on débat d'autres choses qui sont dans le champ, j'allais dire, presque de comportement de mafia, parce que le discours de Ahmad Saadani ressemble beaucoup à celui de la mafia. Mais Faisal Mottaoui, qu'est-ce qui a changé jusque-là? Louisa Hanouni faisait partie quasiment du régime, elle a soutenu le quatrième mandat, elle faisait corps avec le régime, elle attaquait même les gens qui osaient s'attaquer au régime, les traitant de mains étrangères, etc. Et puis d'un coup, ça nous laisse penser que Saadani n'a peut-être pas tout à fait tort lorsqu'il lui dit « c'est à partir du limogeage de général Toufir que Louisa Hanouni a commencé à se manifester de cette façon ». Oui, Louisa Hanouni a toujours été du côté du pouvoir. Je ne sais pas si elle fait partie du régime, mais elle a soutenu effectivement des options du pouvoir par le passé, notamment le droit du président Bouteflika de se porter candidat à la quatrième mandat, malgré qu'il ait été critiqué en raison de sa maladie, dans son incapacité à l'époque, selon l'opposition, de se porter candidat. Mais disons que il y a des choses qui se passent. Je crois qu'à l'intérieur de la maison du pouvoir, des choses se passent. Il y a effectivement des tiraillements. Maintenant, rendons, il faut être honnête en disant que Mme Louisa Hanouni, qui est un parti de gauche, le parti des travail et des travailleurs, un parti qui est proche du courant, l'ancien courant autour de Trotskiste, ce qu'on peut appeler l'ancienne gauche, enfin, a toujours critiqué les options économiques du gouvernement. Malgré qu'elle était soutenue le président Bouteflika, d'ailleurs, à un moment donné, on disait Mme Louisa Hanouni critique les ministres de Bouteflika, mais défend Bouteflika. C'était bien sûr un immense paradoxe pour un parti de gauche, mais disons que Madame Louisa Hanouni, peut-être, et ce, elle, dans une partie de l'opposition, pense qu'il y a beaucoup de retours en arrière, il y a beaucoup d'acquis qui sont abandonnés par le gouvernement, parce que le président sont de la scène politique, et parce que le président ne reçoit que les étrangers, et parce que les options, les choix, les nouveaux choix du gouvernement sous prétexte d'austérité se font donc sans aucun débat public, sans aucun débat ouvert et transparent. Et je pense que, et je vous l'avais dit, Jamel, par le passé, les enjeux sont bien les enjeux économiques, parce que on n'est plus dans le terrain politique, on est bien dans les enjeux économiques, et certains, profitant de la situation actuelle, voudraient revenir sur les grands acquis de l'Algérie indépendante,
C'est-à-dire céder tout, y compris les entreprises publiques, y compris parce qu'on est en train de parler de la privatisation de Mobilis, on est en train de parler de partenariat avec le grand producteur de produits pharmaceutiques Seidel, etc. On est en train de peut-être, j'allais dire, de vendre l'Algérie en petites pièces. Restez avec nous, Faisal. Nous allons observer une petite coupure, un petit intermède. Et nous revenons à vous pour ouvrir le standard. Vous pourrez nous appeler pour nous dire votre avis et vos commentaires. Alors, nous recevons Harboula Fodel de Paris. Fodel, marhaba bik, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour à tout le monde. Bonjour Fodel. Tfadal. Moi, c'est par rapport à Louisa Hanoun, franchement, bon, ce qu'il y a eu de plus, c'est juste cette diversion et focaliser uniquement sur elle et Drabki. Mais si on revient un peu en arrière, on voit le véritable problème par rapport au licenciement du DG de la société Seidel. Et là, on sait que c'est Bouchouarb qui l'a fait tout simplement pour favoriser les Français. Et ça n'a pas, malheureusement, ça n'a pas fait beaucoup de bruit que ce que fait Louisa Hanoun. L'affaire Seidel, dont je rappelle que le PDG, Darqawi Boumediene, aurait été liquidé quasiment par Bouchouareb, une sorte de complot pour l'évacuer d'une façon absolument extraordinaire, parce qu'il serait opposé à certains intérêts. Mais je vous laisse poursuivre, Fodel. Exactement. Et là, c'est le cœur du problème. C'est l'argent des Algériens. Et ça, on ne comprend pas comment ça se fait que ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Bah, pratiquement, ça s'est passé comme une lettre à la poste, on n'en parle plus. Maintenant, on veut reparler de Louisa Hanoun et Saïd Ni. Franchement, bon, je suis beaucoup plus étonné de ceux qui s'étonnent. C'est qui Louisa Hanoun et c'est qui Drabki? Je préfère que vous dites Ammar Saadani. Ammar Saadani, pardon. Ouais. Vous voyez, c'est le langage populaire dont on est en train de parler. Oui, mais on n'affible pas les gens de pseudonyme, je préfère les appeler par leur nom. Il n'y a pas de problème. Donc, Saadani, on sait comment il a été fabriqué, on sait, il ne répond même pas aux questions que tout le monde se pose. Comment ça se fait qu'il est arrivé du jour au lendemain comme ça? Comment ça se fait que s'il y a, de toute façon je ne sais pas s'il y a quelqu'un encore au FLN, et on ne lui demande pas du tout de l'argent a été détourné et qui est en France avec les adresses, on sait qu'il y a plein de choses. Enfin, en tout cas, de par rapport à tout ce qu'il y a, c'est essayer de voir, de focaliser les gens sur quelque chose, et puis faire le reste après. C'est pareil pour les pseudo-députés hier. Moi, je n'ai une chose qui m'a frappé, j'ai vu qu'ils ont fait un tralala, donc une kermesse au niveau de l'Assemblée, mais quand ils ont pris la photo, tous, je dis bien la majorité, ils exhibaient leur sourire. Comment quelqu'un qui vient d'essuyer un échec, il s'exhibe un sourire comme si c'est une victoire? Merci Fodel Harboula, en espérant vous revoir bientôt. Avec nous, Samir Belatesh dit Chicha. Samir, merci d'être avec nous. Salam alaikum, Azul Flaouan. Alaikum salam. Moi, je vous remercie de me laisser dans les mots. Merci Samir. Tfadal, je vous en prie.
Sur la polémique là qu'on est en train de suivre entre le secrétaire général du FLN et la responsable, je ne sais pas si elle est présidente ou secrétaire général du Parti des travailleurs. Dans le temps, c'était un parti des travailleurs, maintenant c'est le parti du régime. En fait, pour moi, c'est un peu les échos que j'ai autour de moi. Les gens, ils trouvent que c'est juste du cinéma. Un peu. Pourquoi en fait? Parce que on essaye de faire croire qu'il y a des joutes et puis des gens qui sont pas d'accord, etc. sur la scène politique algérienne. Et moi, je ne crois pas à la scène politique algérienne. Elle est complètement fausse. Elle a été malaxée, créée par le régime en place. Du coup, ces gens qui se font la guerre, etc. À la limite, il y a une seule chose à tirer comme conclusion pour moi, c'est que ces gens, quand ils se bagarrent, ils révèlent des choses les uns contre les autres. Ça confirme un peu ce que nous, le peuple, ou ce que l'opposition dit, c'est-à-dire que ces gens, par exemple, le parti politique Intel a été créé par les labos des services de renseignement, le secrétaire général Intel a été placé là par tel clan, tel gang du régime. Et du coup, ça confirme juste ce qu'on pense de cette scène politique. C'est une scène politique qui est complètement fausse, qui a été imposée par des gens de l'ombre, par des gens qui sont derrière les rideaux, qu'on ne voit jamais et à qui on ne peut jamais demander des comptes. C'est eux qui, ils ont noyauté, ils ont fait la scène politique algérienne. Et de temps en temps, quand ils se bagarrent comme ça entre eux et tout, parce qu'ils se bagarrent, pour prendre une position privilégiée au sein du régime et tout, eh ben, ils nous lâchent des révélations comme ça qui ne font que confirmer ce qu'on pense de ces gens. Donc, la bagarre qu'il y a entre Saïd Hani et Louis Hanoun, moi, je suis un peu comme le peuple, je regarde de loin et je suis mort de rire. Et encore, on rit jaune, comme on dit, parce que la situation ne prête pas à rire. Voilà Merci. Ce que je pense de ça. Merci Samir, en espérant vous revoir bientôt. Alors Omar d'Allemagne. Omar, salam alaikum, monsieur Nouf. Wa alaikum salam, c'est Omar, allez, t'fadl. Est-ce que je peux parler en arabe ou en anglais? Comme vous voulez. Video in English or en arabe. En arabe ou en français, parce que la plupart de nos compatriotes préfèrent parler. Parce que les Français, ils ont ramené que de la misère pour les... Mais allez, je t'kellem bel'arabia, t'kellem bel'arabia. D'accord, ça. خويا قاعد البارح جيت لداري مع العشيه كيما نقولوا جيت لداري مش ندخل في الليل ندخل نشوف واحد الشاشه يعطوا لها مكملين كاين واحد يعطوا له مع زوبع واسمه ما هو كونتر السيسي كونتر غوفرنمون السيسي هاد لاشين جايه في تركي قاعد نشوف يهضر على واحد الحاجه يعطوا لها مايند كونترول كيما نقولوا لارم دو سيرفو يعطوا له لارم هذا ستاني كريبان جويف اون امريكا اون كندا كي لا يكري ان ليفر كي سابيل توب سيكريت يعطوا له توب سيكريت كيما نقولوا لو كونترول دو سيرفو عداك واش يديروا باغ اكزومبل نعطيك مثال واش راه صار في السيسي انا نعطيك غير واحد الحاجه دوك تدوك الشعب هذا يفيق وانتم ما تفيقوش ما نقعدوش ندوروا غير في نفس الفيلم باش تعرف باللي هاد لامافيا خير بيناتهم يديروا هذا كاع فيلم دايرينو كان سيناريو نوري لك كيفاش على بالك باللي غوفرنمون ايجيبسيان لا بريمير كيما نقولوا ليزيكسيون تاع السيسي لو بلو كرون بي اللي كان دعم فيه هو اسمه لا سعودي عربي ولا الامارات هكذا سي فري صح ولا لا كان يجوا ليه كان يجوا ليه يعني لو بيلي بي فيزارو في العالم كاع سي لاجيري اش كنت هذه عندك مغربه ولا لا ماشي حاجه اللي جاتك مغربه هذه حاجه الانسان يسال بوك دوزيام دي شوز نهار اللي دخل مرسي جا البريزيدون عندك باللي وصرا في اسرائيل كرون سكوندال على الغاز شكون اللي كان يمد الغاز لاسرائيل سي با لاجيري كانت تمدوا لمصر ومصر كيف بحسني مبارك يمدوا لاسرائيل Je suis obligé de vous interrompre, c'est Omar, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Mazabien, tu as besoin de gens qui ont été mais tu as besoin de gens qui ont été mis en place pour que les gens puissent se parler. Tahar de Sharaga. Salam alaikum. Wa alaikum salam, alam bek, c'est Tahar. Wa chaque fois, j'aime bien le sénateur. Sénateur, barakallahu fek. تفضل واش راك خير والله يعيشك لاباس يبارك فيك تفضل خويا الحمد لله انا نكون دراس بزاف بارك الله فيك وفيك بركة شوف لويزا توزن أكثر من سعيد هاني وي ألو سمعت أنا أسمع فيك قلت لك لويزا حنون شحال من خطرة تلاقى بها أنايا اللي كما يقولوا بوبيلار شربت معايا قهوة مع لي كاس كور ديالها وتلاقينا في السيتيا لا سيتيا ستون 43 تاع في السينما الفرنسي
بصح سعيد هاني ما عرفنا لوش كاع منين جا واش النيفو عنده. لويزا حنون عندها في راسها عندها مخ وتليفوني خير منه فهمت ليا لاباتي اللي راه يعطي في لويزا حنون. نقول لك علاش نعم هو نعم دايما هو مكوفري بالساعد وحداد وربراب ولويزا حنون صح مع التوفيق بصح لو بروبليم تروازيام ومسكته لو تروازيام بروبليم qui la DRS, enfin plutôt le DRS, il a été disloqué et écarté, mais la gare à nos frontières. Il faut faire attention à nos frontières. Barakallahu fik, c'est tard, je suis obligé de vous interrompre. Makhlouf, men Tizi Ouzo. Bonsoir, monsieur Benchelouf. Bonsoir. Bonsoir, c'est vous. À propos de la polémique contre M. Saïd Ali et Ouzo Hanoun, je dirais bien que, de temps en temps, à force d'être prouvé, on risque de se desservir. Bon, cette dernière, elle a eu sa monnaie de la pièce. Nous la connaissons très très bien. Donc, ils sont issus les deux de c'est le même produit. Donc, pour terminer, nous vivons exactement la malédiction de l'arrêt du processus électoral de 1992. Oui. Oui, alors, merci, Mohamed. من لندن. الو محمد من لندن. السلام عليكم مسيو بن شنوف. وعليكم السلام اهلا بك سي محمد. C'est un honneur de participer à votre émission. Tout l'honneur est pour moi, merci. J'ai deux lignes à lire et je m'en vais. Hein. Je vous en prie, je vous en prie. تفضل. هذه كنت نسي بس نرسلك ايميل ما وصلتش. بسم الله الرحمن الرحيم. L'homme qui jouit d'une abondance des biens que Dieu lui a accordé trouve par contre des difficultés pour subvenir aux besoins de son peuple. Celui qui est incapable de prendre en charge cette subvention expose ses biens à la disparition. C'est les incapables, ils ont exposé notre pays à la disparition. Barakallahu fik, c'est Mohamed Bouhlam Medzair. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Comment vas-tu? Ça va, merci. احنا ماذا بينا ندخلوا في البرنامج هذايا toute l'histoire si vous permettez de faire une référence toute l'histoire c'est une big big mise en scène qui n'intéresse nullement le peuple. Et puis permettez-moi de vous dire aussi je suis vraiment déçu par les invités que vous avez envoyés. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend, on vous entend. D'accord. Les invités que vous avez invités, franchement, je comprends pas leur attitude. Ils essaient de... Il y a l'autre qui essaie d'alger le journaliste qui était l'ancien journaliste éradicateur qui était dans le Watan, dont je me rappelle très bien. Faisal Mottaoui n'est pas un journaliste éradicateur, vous vous trompez. Défendre, comment elle s'appelle, Louisa Hanoun, elle a fait le jeu. Elle est fabriquée par le DLS, il faut le dire. D'autres, la dame, là, qui se disait à l'époque elle est sortie dans la rue pour dire oui à la liberté, à la démocratie et tout y quanti. C'est du bullshit. La réalité est tout autre. Il y a un peuple algérien. Allô? Oui, on vous écoute. On vous d'accord, écoute. Il y a un peuple algérien qui souffre et puis il y a ces pseudo politiques, des pseudo politiques qui sont là, qui essaient de nous expliquer, mais en réalité toute la société algérienne a été pourrie par ce service criminel qu'est le DRS. Entre autres, ce Rabb Zahir, il l'a dit lui-même. Il nous a tenu sous sa coupe pendant 25 ans de terrorisme d'État. Qu'est-ce que vous en dites, M. Mettaoui? Parle, vous vous rappelez de l'histoire où vous étiez éradicateur chaque matin. Merci, M. Bouhlam. Je ne comprends pas pourquoi vous attaquez à Faisal Mettaoui, que je connais personnellement, qui n'a jamais été un journaliste éradicateur, mais enfin, il se défendra lui-même. Saadane de Tizi Ouzou. Bonsoir. Bonsoir. Saadane, c'est Saadane. 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 هما اللي نوفو يطردوهم بلاصه اللي يشدها على بالك لي جورنو زون بالي دو سا بلي لا ديتوني لاجون تاع الفلاحين وي
تفضل سي شعبان. وي نعم الا بتني لاجون تاع الفلاحين وكان انا جيت من جاهد دو بتي سيجور لا في ديميسيون ديميسيون دي بارتي دي اس ال على نورمال ما كان جاي المجاهدين تاع الصح اللي طردوا فرنسا يفون بيس ديميسيوني لما يخرجش من شفت على الاس ال. Barak Allah Ovik, si Chaban, je suis obligé de vous interrompre, excusez-moi. Je prends un dernier appel, Mohamed de Boussada, et je reviens à mes invités pour leur donner le mot de la fin. Mohamed de Boussada. Fkadna M'ammar, le dernier appel, M'ammar men Jazair. Tfadal, c'est Ammar. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, tfadal khouya. اخويا مسيو بشنوف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. باي جو بار الباكور مال الفرنسي مي جو اتكلم بالعربيه بالفرنسي كيما تحب حتى حر. وي اخويا سكي سباس اون الجيري سي با جون بوليميك دو بوليتيك مي سي انا كشي نشوف سي سي لا مالغام بوليتيك. داكور. سكي سباس اون الجيري و افيك لاكومبانيمون دو تو لي ميديا اكسيترا اكسيترا نورمالمون سي ان جو دونفون. وكلش راهو يسرى اور المؤسسات خارج المؤسسات وبالتالي كيفكي لي سعيداني بور باريخ الامور هذه نورمالمون الامور هذه تحدث في البرلمان وتحدث في الحكومه ولكن احنا دخلنا ان فاز تري كريتيك واش نقول لك انا واش يغيظني جو سوي تريست وين راحوا الناس المجاهدين وين راحوا الناس المسرحيين وين راحوا الناس الكتاب وين راحوا الناس هذو هما الناس اللي نورمالمون يدخلوا ويشوفوا الشؤون تاع البلاد واش شاري فيها. بارك الله فيك. ميرسي à nos téléspectateurs de nous avoir appelé. Je reviens à mes invités. Il nous reste plus beaucoup de temps. Ils auront chacun deux minutes pour le mot de la fin. Amira Bouraoui. Oui, je vous écoute. Et alors, le mot de la fin, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, je voudrais rapidement parler rapidement de Saïdal et de la non-réaction. En fait, tous les fleurons de l'industrie algérienne ont été complètement massacrés. Tous les cadres compétents algériens ont été soit poussés à la fuite à l'étranger ou alors ils ont été poussés à la retraite. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui se passe maintenant depuis des décennies et bien même bien avant l'arrivée de Bouteflika. C'est une culture des canaux algériens, Igulhom, Wirakum Rahin Yejmaa. Dès que quelqu'un pense à l'intérêt commun, hop, on le décapite, on le met au placard, on le tue, on l'envoie à l'étranger, bref. Par rapport aussi à Saïdani, on aimerait que le peuple soit conscient que ce monsieur est en train de nous emmener avec son groupe de mafieux droit dans le mur, que ce monsieur n'a jamais démenti ce que le journal Khabar a rapporté, que ce soit par rapport aux appartements qu'il possède à Paris, que ce soit par rapport aux comptes bancaires en millions d'euros de son fils, etc. Donc aujourd'hui, il faut vraiment un éveil de conscience. On parle des moudjahidines, etc. Pourquoi ils se taisent? Les moudjahidines ont fait ce qu'ils avaient à faire. Aujourd'hui, c'est une autre génération qui doit se lever et qui doit protéger la nation algérienne. Merci Amira Bouraoui. Je crois que nous avons perdu Faisal Mattaoui et Samy Dzeri, me semble. Est-ce que nous les avons perdus? Ah ben, c'est dommage. Donc j'espère les retrouver en une autre circonstance. Sinon, ces événements qui se précipitent sont annonciateurs de quelque chose. C'est la pluie des grosses tuiles. Cette grosse controverse, pour rester gentil, ne sera certainement pas sans lendemain. Des signes sont plus qu'évidents que l'opération de révision constitutionnelle et de ce plan B présidentiel qui se concocte ne se passeront pas aussi calmement que l'auraient voulu les maîtres du jeu. Il y a déjà des turbulences dans l'air et malgré la très épaisse opacité qui entoure les grandes manœuvres, il y a fort à parier qu'il y aura de l'eau dans le gaz. Mais avant de vous quitter, on me dit que nous venons de retrouver Faisal Mattaoui. Je vais donc lui laisser le mot de la fin. Et je vous remercierai, je ne vous remercierai jamais assez pour toute l'attention que vous nous prêtez, pour le soutien que vous nous apportez. Merci aussi à mes autres invités. Faisal Mattaoui, vous avez le mot de la fin.
Merci beaucoup, Jamal, et merci aussi pour le respect que vous portez à vos téléspectateurs et aux hommes politiques. Moi, je dirais seulement que, et je répondrai brièvement à la personne qui a parlé tout à l'heure au téléphone, il faut toujours débattre dans le respect. On doit le respect à nos journalistes, à nos hommes politiques, même si on n'est pas d'accord avec eux. C'est un peu ça, la démocratie, avec Louisa Hanoun, avec Ahmed Sadani ou d'autres personnes. On débat des idées. Je ne pense pas qu'on est en face. Ce que j'ai entendu, c'est que les gens pensent qu'il y a une comédie, qu'il y a du folklore. Non, ce n'est pas du folklore. Non, ce n'est pas de la comédie. Les choses sont tout aussi graves. Politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, et donc il faudrait que si le débat politique est à ce niveau-là, il faudrait que tout le monde s'intéresse. Syndicalistes, militants des droits de l'homme, militants des associations, de la société civile, tout le monde doit être intéressé par ce qui se passe en Algérie, parce qu'il y va de l'avenir des générations. Merci Faisal Mattaoui, en espérant vous revoir bientôt. Merci à Samy Dziri, merci à Amir Abouraoui, merci à nos téléspectateurs de nous avoir appelés. Merci encore une fois à nos téléspectateurs qui nous prêtent une si bienveillante attention. Salam alaikum, khawla khair, salam.